Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de Guild Wars 2 et il est temps de passer le portail pour aller chercher la salle de l'œuf. Bien entendu, n'oubliez pas de soutenir la chaîne, l'abonnement, commentaire, le petit pouce bleu mais également la cloche de notification. Il y a au moins une vidéo par jour sur la chaîne. Où est passé l'œuf? Au nom de Bryl, votre force sera mise à l'épreuve. Nos ennemis sont puissants, impitoyables, infatigables. Ceux qui servent Bryl doivent l'être encore davantage. Traduire. Ceci est une épreuve de force. Ici, les soins ne fonctionnent pas. Quiconque échouera ou fuira devra recommencer une nouvelle fois. Je suis prêt à commencer. Quelque chose me vibre de mes forces. À quoi servent ces jets d'eau? C'est de l'eau de mer? Bon, je fasse extrêmement attention, comme prévu, il n'y a pas de heal, hein. Et voilà. Au moins, l'œuf est... T'aurais pu au moins finir ton texte, quoi. Bien, une nouvelle salle. Et maintenant, je peux le faire. Au nom de Bryl, votre sagacité sera mise à l'épreuve. Nos ennemis sont un mystère insondable, une énigme insoluble. Aucune solution n'est évidente, le temps pourra en apporter une. Répondez à la question trois fois, ou soyez perdus. Une énigme dans une énigme, je vois. Ça signifie... Cette épreuve d'esprit demande à l'aspirant de résoudre une énigme avec trois réponses en un temps limité. Apparemment, les ennemis aideront ou blesseront en fonction de ce qui se passe. Du temps sera peut-être ajouté? Je crois que c'est évident. Je suis prêt. Je savais que ça ne pouvait pas être aussi simple. Il va falloir se creuser la tête pour cette épreuve. Prenant un peu de hauteur, j'aurai peut-être une meilleure vue du labyrinthe. Ouais. Alors, au niveau des runes, je peux recommencer entre guillemets à l'infini, donc c'est pas très grave. Le labyrinthe. Comment ça, c'est triché? Je vois pas de quoi vous parlez. Bon, ça va être ça. Au début, ça m'arrange. Quoi, vous n'espérez quand même pas que je ne triche pas dans cette position alors qu'on me donne littéralement la possibilité de tricher. Et voilà. Easy peasy. Et de toute façon, à la fin, on nous donne littéralement l'objectif de tricher, entre guillemets, pour aller jusqu'à la sortie. Hein, donc.
Et rien ne nous empêche littéralement de pouvoir faire le... la triche. Donc, ce n'est pas grave. Voilà. Encore une à première vue. Au nom d'Obril, vos talents de meneur seront mis à l'épreuve. Nos ennemis sont unis, organisés. Les sombres rouages d'une machine funeste et des dragons ancestraux ne voient en vous qu'une proie. Celle-là, elle doit être plus difficile que les autres. Je crois que ça signifie... Cette épreuve teste les qualités de meneur et demande à l'aspirant de survivre à l'aide d'une stratégie d'équipe face à des ennemis redoutables. J'espère que j'ai de bonnes équipes, allons-y. Et on est transformé. Oh! Petit lapin tout mignon! Et pour ce faire, il faut. Raise, en fait, les différents membres d'équipe peuvent nous aider. Commandant? Oula, j'aime pas ça. Mais qu'est-ce que tu combats? Oh putain. Oh, c'est... la vie est tellement bas, monstrueux. Laissez-moi m'occuper de... Et un troisième déjà. Wouhou! Voilà, je craignais. Voilà, merci. On va recommencer s'il vous plaît. Ah ok. Je peux même pas recommencer en plus. Ah si, ça revient, ça va. Au bout d'un moment, ça revient. Bon merde. J'espère juste qu'il va pas se régène. Il a plus d'accord. Voilà. Je n'aimerais pas être à votre place, commandant. Mais ne vous en faites pas, vous pouvez compter sur bon, moi. Bon, lui c'est bon. Attends, c'est que voilà, lui il se met pas en cachet. Il nous est très très peu utile. Hop, la deuxième. Déjà on va voir ce que fait les compétences, parce que c'est vrai que j'ai pas regardé, putain mais chier. Je vais regarder ce que fait ça, ça me cache, ok. Vous abusez, ouais, ok, ok. Pureur, ok, ça va. L'union fait la force. C'est le 4 qu'il faut que j'abuse. Voilà. Quand on sort de combat, est-ce qu'ils régènent?
Ça, c'est une bonne information à avoir, ça aussi. Avec toi, c'est que c'est pas le cas. Pendant que les deux combattent, je vais aller reste celui-là. Voilà. C'est vous qui décidez, commandant. Je me charge du reste. À fond, ah, ça vise régène, ça c'est très bien ça. On attend les quelques secondes qui sont nécessaires. J'ai encore un cadavre tout près, juste là. Ça c'est le boss, donc je vais pas aller le chercher maintenant. Je vais passer, j'en profite. Vous n'êtes pas en état de vous battre, on dirait. Qu'importe, nous sommes là. Voilà, je fais presque toute l'équipe là. Merci. Commandant, c'est bien vous ? Les joueurs boss. Je ne permettrai pas qu'il vous arrive malheur. Voilà. Alors, on finit par le tuer. Hein. Merci. Trois épreuves, trois victoires. Voilà qui devrait contenter les oubliés. Posez l'œuf au centre de la salle. Joli. Très joli, franchement. Ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas venu dans cette salle.
Ah ouais, ok. Sacrée vision, dis donc. Hein? J'ai l'impression que c'est l'œuf qui me l'a montré. Mordremoth se sert de Logan, de Socha et de Traherne. Si on ne les retrouve pas bientôt, c'est toute une armée de clones que l'on devra combattre. Eh ben dis donc, ça en promet des aventures, dis. Félicitations. Je savais que vous en étiez capable. Tahrir a accepté l'œuf, ainsi que vous, en qualité de champion. De la part de Bryl, de la Luminante, des Exaltés et de Tahrir elle-même, merci. Je suis content de savoir l'œuf à sa place, entre les mains de gardiens aussi dévoués que vous. Mais je dois désormais rejoindre mes amis. Mordremoth représente toujours une menace, et l'œuf vient de me montrer à quel point cette menace est sérieuse. Je vous en prie. L'une des sentinelles qui garde nos portes a un message pour vous. Je crois qu'il vient de vos camarades. Allez les rejoindre. Confrontez Mordremoth. Peu importe l'issue de votre mission, sachez que vous avez rendu espoir à Tahrir, ainsi qu'au monde entier. C'est pas la première fois, ce serait clairement pas la dernière, hein. Quelle récompense! Ok, on va donc aller parler à la Sentinelle. C'est parti. Qu'on appelle commandant? C'est bien moi. Tahrir vous remercie d'avoir permis à une partie de l'héritage de Bryl de rejoindre son sanctuaire. Votre groupe est passé par ici pendant que vous étiez occupé par les épreuves. Mais ils n'avaient pas le temps de vous attendre. Ils m'ont demandé de vous aider à les rejoindre. La petite a dit qu'elle vous a laissé quelque chose d'incroyable. À l'est. Alors c'est par là que je vais. Merci. C'est pas vrai. Encore c'est bien. Est-ce que c'est par là? Bonne question. Non, c'est pas par là. Bon bah, la garde de l'est est perdue. Tahrir a besoin de vous. Repose sur votre énergie, de votre courage et de votre détermination. Ensemble. Mais quoi, je reprends le TP. Le TP, je suis au-dessus. Ah. Trouver le disque suivant. J'espère que vous trouverez cet enregistrement, commandant. On a continué sur la piste de Zodja, Logan et Traherne. J'ai hâte de savoir ce qui s'est passé avec l'œuf. On a vu de la lumière, puis la cité est devenue complètement folle. Essayez de vous souvenir de tous les détails. Vous allez devoir me raconter tout ce qui s'est passé. Par exemple, est-ce... Bon, Ridlock me fait signe d'abréger, alors... Il me reste encore quelques holodisques. Suivez-les dans la caverne, en direction du sud, et vous nous rattraperez bientôt. Amusez-vous bien. Salut, on est parti par là. Piteux, tu enregistres? Tu es sûr? Pourquoi le voyant n'est pas allumé? Autant effacer et recommencer. On recommence. Pas aussi informatif que je l'aurais espéré. Je n'ai pas assez d'énergie. C'est tout? Je vous ai déjà vaincu, mais vous ne le savez pas encore. Ah oui, ok. C'est tout. Il y a le mob qui me suit dans les airs. C'est quoi ce mob? Ils m'ont enfin lâché la grappe. Le disque est... par ici. Encore un message de Taimi. Eh bien, on dirait qu'on est tombé sur un nid de Viviane. Non, comment on dit
Un bouquet de Viviane? Non, une composition? Bon, enfin bref, vicieuse, ces bestioles. Du coup, restez sur vos gardes. On a repéré des feux de camp au sud d'ici, alors on se dirige... Oh, est-ce que c'est... Bon, je dois y aller. Stimulant. Bah nous on peut y aller aussi, c'est parti. Chut. Psst. Qui est là? Montrez-vous. Du calme, pas si fort. Qu'est-ce que vous faites ici? La question c'est plutôt, qu'est-ce que vous faites ici? Je cherche un holodisque, il ressemble à un Azura géant. Oh... Une de ces majestueuses créatures l'a emporté en haut de cet arbre. Les Vivlianes? Majestueux? Ce sont des monstres, rien de plus. Non, ils sont magnifiques. Mon partenaire et moi sommes venus ici pour communier avec eux. Ils m'ont accepté. J'ai même pu en caresser un. Quelle bonne idée, si vous ne tenez pas à la vie. N'importe quoi. Roy disait qu'il ne me ferait jamais de mal. Enfin, si on met de côté les fois où ils m'ont attaqué. Ils m'ont pris un gros bout de ma jambe. Où est votre partenaire? Oh, ils l'ont tué bien assez vite. Je vois. Eh bien, bonne chance pour la suite et... Merci du tuyau. Ok. Pourquoi pas? Je vais quand même prendre le TP qui est tout prêt au cas où que je crève et que je reverse tout le trajet. Alors, est-ce qu'on trouve notre bonheur? Ah! Bon, bah, on va recommencer. Deuxième essai. Le bon endroit. On peut toujours prendre ça en chemin, pourquoi pas. Ah, j'ai déjà tiré ce qu'il me fallait, ok. Oh oui, qu'il fallait aller. C'est moi qui m'a coupé les choses. Ah bah c'est décidé. Toujours sur la piste, voilà. Mais Piteux détecte des signaux bizarres par là-bas. J'essaie de convaincre les autres de faire des recherches. Jusqu'ici, zéro résultat. C'est pas le tribun rabat-joie pour rien, hein? Avec un peu de chance, vous aurez tué un ou deux Vivlianes sur la route. Si c'est le cas, bien joué. Sinon... Attention derrière vous! Je plaisante. Ou pas. À bientôt. À bientôt. Ok. Et donc, on continuera la suite lors du prochain épisode. J'espère que celui-ci vous a plu. N'oubliez pas de soutenir la chaîne, abonnement, commentaire, le petit pouce bleu, mais également la cloche de notification. Il y a au moins une vidéo par jour sur la chaîne. À la prochaine. Bye.